sévère. Je fais de la peinture depuis, disons, 1991 à peu près. Et j'ai commencé par apprendre, n'est-ce pas? Parce que c'est un art difficile, la peinture, la sculpture aussi, d'ailleurs, comme la musique ou la poésie. Je fais le Salon de Rouen, je fais des expositions par-ci, par-là. Et puis, j'ai le privilège, le bonheur d'être invité dans cette chapelle avec Jean-Marc Depas, qui est un sculpteur fantastique, donc talentueux. Donc, voilà. Donc, je suis très satisfait de ça. Je me suis mis à la peinture parce que j'ai voulu changer d'identité. Ça, c'est comme quand on est passé du cinéma muet au cinéma parlant. Il y a un très beau livre de Robert Bloch qui s'appelle « Le crépuscule des stars ». C'est la fin du mythe hollywoodien. C'est le basculement technologique dans le cinéma parlant. Et donc, les techniciens, les artistes, les scénaristes, tous ont été obligés de changer d'identité parce que c'était quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Mais moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris l'option de la peinture. C'est venu, vous savez, les choses viennent souvent dans la vie comme ça, un petit peu, c'est circonstanciel. Bon, donc je me suis engagé dans la peinture et voilà. Et donc, c'est une nouvelle identité que je me suis créée comme ça et qui me permet de découvrir un monde nouveau, différent de celui que j'ai connu avant et dans lequel j'ai travaillé pendant de très nombreuses années. Voilà. Sculpteur. C'est sur l'invitation amicale de mon ami Jean-Serge Seller, et qui donc avait cette exposition en projet et qui cherchait un sculpteur pour exposer avec lui. Donc, connaissant mon travail, on avait déjà exposé ensemble et il m'a demandé de venir l'accompagner. Voilà, donc, je suis là pour lui tenir compagnie. Je n'ai jamais fait que ça dans ma vie professionnelle. Avec aussi un peu de travail sur les jardins, un peu de photos, mais toujours dans des activités artistiques. Et j'ai ouvert mon atelier en 89-90, à la fin de mes études. Et puis avant, j'ai fait une dizaine d'années d'études, aussi tournées vers la sculpture, le mobilier, l'architecture intérieure, l'université aussi. Voilà. Donc, je dirais que ça fait presque 30 ans maintenant, depuis le tout début de mes études. Dans la recherche, il ouvre des portes, il essaye de tenter des choses, donc ça donne des diversités d'expériences formelles et thématiques. Et donc sur les thèmes, il y a les femmes qui sont vraiment aussi au cœur de mon travail. Mon œuvre, j'espère, est un hommage aux femmes. Il y a beaucoup de portraits aussi pour essayer de capter justement cette présence humaine. Est toujours étonnante. Et puis des personnages, des choses qui font référence à l'histoire, des Don Quichotte. C'est la même dernière palette. Oui, parce que la dernière, c'est... Ça, j'ai un ami qui est venu voir cette palette à la maison et je ne savais pas si j'allais la garder ou pas la garder. Il m'a dit bien sûr qu'il faut la garder et il m'a dit tu l'appelles Galaxie. Alors par amitié pour lui, je l'ai appelé Galaxie. C'est un ami qui vient d'écrire son premier roman policier et il m'a écrit cette dédicace
je me suis pris au jeu et je me suis dit, est-ce que tu fais le tableau? Et il m'a dit, accepteriez-vous de peindre un labyrinthe vu du ciel avec au centre un majestueux rhododendron blanc? Déjà, pour articuler ça, il faut se mettre bonheur. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout est illusion, fausse piste et voie sans issue. On peut y tourner en rond et un jour se perdre. C'est le titre du bouquin dans le cimetière des obsessions. Et donc j'ai fait son tableau à ma façon, bien entendu. Thèse réussie. J'avais écrit dans ma thèse de doctorat une œuvre est vivante quand elle modifie la trajectoire de l'autre. Et je pense que c'est voilà, quand une œuvre porte en elle une valeur intrinsèque, une émotion qui lui est propre et qu'elle anime le regard de celui qui passe et qu'au lieu de passer tout droit et tracer sa route, à un moment donné il rentre en communion avec ce qui est dit dans la pièce, avec ce qu'elle porte, avec l'émotion. Ça c'est un mot fort évidemment, l'émotion. Si l'émotion passe, on peut dire que voilà, il y a quelque chose qui réussit, hein, pour répondre à la question. Ce que j'essaye de faire en fait, c'est de proposer aux visiteurs, une représentation du monde qui soit apaisée, qui soit vecteur de tranquillité, de paix. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, la distance, la profondeur, la brume, tout ça, si vous voulez, est facteur d'adoucissement des rugosités. Si vous allez vous promener, c'est facile ici au bord de la mer, bon, si vous regardez, où que vous soyez, si vous regardez la ligne d'horizon, il y a presque tout le temps un peu de brume. Et vous allez constater que cette brume, elle efface les rugosités de la nature. Et bien voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Les conditions dans lesquelles ils ont préparé tous, que ce soit Christine Rodier, que ce soit M. Blanchard ou de Le Manche qui vont accueillir les visiteurs pour nous, qui vont nous représenter en quelque sorte, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas être là tout le temps. Et Sébastien, Eric, donc vos techniciens, ils ont à la fois, si vous voulez, donc encore une fois cette efficacité, et puis ils ont l'esprit de service, ils sont gentils, ils sont aimables. Le lieu est exceptionnel, mais les conditions dans lesquelles cette exposition a été préparée sont elles aussi, de mon point de vue, rares et donc exceptionnelles.